Et pour aborder ce thème, nous avons donc ce soir l'honneur et le plaisir d'accueillir le professeur François Desroches. François Desroches est membre de l'Institut à l'Académie des inscriptions et belles-lettres et professeur au Collège de France, où il occupe depuis 2015 la chaire d'histoire du Coran, textes et transmissions. Il est spécialiste des manuscrits arabes, avec un intérêt particulier pour la transmission écrite du texte coranique. Ancien élève de l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, à Paris, il a suivi une formation aux langues sémitiques avant d'entrer à la Bibliothèque nationale, où il fut chargé du catalogue des manuscrits du Coran. Membre scientifique de l'Institut français d'études anatoliennes entre 1983 et 1986, il a ensuite rejoint l'École pratique des hautes études en 1990. Ses publications portent sur la codicologie, l'histoire du livre manuscrit arabe et les manuscrits coraniques des débuts de l'islam. Il a récemment publié Le Coran, une histoire plurielle, essai sur la formation du texte coranique aux éditions du Seuil, un ouvrage que je vous recommande vivement. Et ce soir, le titre de son exposé sera La tradition, les manuscrits et le texte coranique. Et je suis donc très heureux de lui laisser la parole. Merci beaucoup. Dans la vie d'un chercheur, dans la vie d'un chercheur, il y a parfois des rencontres inattendues et merveilleuses. Il y a de cela 40 ans, pratiquement jour pour jour, je prenais mes fonctions à la Bibliothèque nationale pour faire un catalogue auquel j'avais donné un consentement qui n'était pas véritablement éclairé, dans la mesure où, naïvement, j'imaginais que tout avait déjà été dit sur les copies de ce texte fondamental et que mon travail se résumerait à suivre ce que d'illustres prédécesseurs avaient déjà observé. Il en était en fait absolument rien, et c'est un monde absolument inexploré, ou presque inexploré, qui s'ouvrit devant moi, notamment en ce qui concerne les plus anciens manuscrits qui, pour l'essentiel, n'avaient pas fait l'objet de recherches dignes de ce nom et dont je découvris peu à peu la beauté et l'importance. Pour l'historien que je suis, car c'est en tant qu'historien que je vous parlerai, il était surprenant que la voix de ces documents qui peuvent tant nous apprendre sur la civilisation islamique des premiers siècles soit demeurée silencieuse pendant si longtemps. Je remercie la direction de l'IFCM et son président, M. Kaptan, de me donner l'occasion, dans le cadre d'une institution consacrée précisément à la civilisation islamique, d'évoquer ce matériel et la façon dont il élargit notre compréhension de l'histoire de l'islam des commencements. Il n'est bien sûr pas possible de parler de tous les résultats qui ont été obtenus au cours de ces 40 dernières années ou de ceux qui continuent à enrichir notre connaissance de ce patrimoine exceptionnel et, au-delà, de l'histoire intellectuelle et matérielle des premiers siècles de l'Égypte. J'ai donc retenu deux exemples qui vous permettront de mieux apprécier les apports d'une connaissance plus fine des manuscrits coraniques et la façon dont ils dialoguent avec les données de la tradition musulmane. En 1972, l'architecte italien Paolo Costa découvrit dans un dépôt analogue à une guéniza, l'endroit où les communautés juives stockent les vieux papiers dont elles n'ont plus l'usage, entre le plafond et le toit de la salle de prière de la grande mosquée de Sanaa, un grand nombre de feuillets de vieux manuscrits coraniques en parchemin. Parmi eux, un certain nombre appartenaient à un groupe défini par son écriture que les spécialistes appellent Hedjazi, l'écriture du Hedjaz. La plus ancienne strate de ce groupe se caractérise par son écriture, mais aussi par une orthographe souvent qualifiée de défective et par l'absence de signes de vocalisation et de décor, et celle, presque complète, de points diacritiques. En utilisant une écriture plus moderne, on peut se faire une idée de l'état du texte par rapport à une édition contemporaine, le squelette consonantique ou rasme étant pratiquement le même dans les deux cas. Le carbone 14 a confirmé l'ancienneté de certaines de ces copies, parfois de manière spectaculaire.
elle remonte à la deuxième moitié du 7e siècle. Sur ces vénérables manuscrits du Coran, et malgré leur apparence minimaliste, un procédé graphique avait déjà été mis en place pour indiquer la fin des versets. Mais un autre élément stylistique, celui-ci, est immédiatement perceptible dans l'oralité, qui est la forme initiale du Coran, contribuait à identifier cet emplacement. Le Coran, comme vous le savez, se présente pour l'essentiel sous la forme d'une sorte de prose rimée, ce qu'on appelle sash, où des séquences de longueur variable s'achèvent par une rime qui est soumise à des conditions moins contraignantes que dans la poésie proprement dite. Selon le savant américain David Stewart, 86% des versets montrent une rime. Dans bien des cas, elle constitue l'élément final d'un segment textuel un peu plus grand, très significatif du signe coranique, qui est la clausule, un terme emprunté à la rhétorique latine à cause de l'analogie déjà remarquée par Régis Blachère. De son côté, William Montgomery Watt parlait à ce propos de « detachable rhyme phrases » dont il signalait le côté récurrent dans le Coran, mais aussi la position un peu artificielle à l'intérieur des versets dont ils sont grammaticalement indépendants et avec le sens desquels ils entretiennent un lien assez lâche. Il en donnait pour exemple la formule « Allah ala kulli shay qadir »« Allah sur toute chose est omnipotent » qui apparaît 32 fois dans le Coran. Il faut sans doute envisager cet élément de manière plus large que Stewart, qui le limitait aux épithètes redoublées ou encore aux formules générales qui concernent la grâce de Dieu ou sa désapprobation. La clausule joue un rôle important dans le style coranique, du fait même de sa position en fin de verset, à telle enseigne que Angelika Neuwirth, une des meilleures spécialistes actuelles du Coran, estime qu'elle se substitue à la rime dans les derniers temps de l'apostolat de Muhammad. La tradition manuscrite du texte haussmannien a conservé des indices qui permettent de penser que les clausules ont pu être identifiées comme un élément textuel au contour spécifique dans les communautés musulmanes des premiers temps. Un manuscrit Hijazi, le Codex Parisino-Petropolitanus, nous montre qu'une tradition vivante dans la seconde moitié du 7e siècle les individualisait encore en certains points du texte. Graphiquement, elles étaient placées au rang de versets par l'insertion de signes dont je vous ai déjà parlé et qui étaient employés pour signaler la fin des versets. Vous voyez donc à cet endroit, par exemple, les trois séries de deux points qui marquent une fin de verset. Je n'ai pas de pointeur, mais je pense que c'est assez facile à voir. Le découpage des versets qui résulte de cette ponctuation a pour effet d'interrompre formellement la séquence des rimes considérée comme l'élément final du verset. Vous voyez, il y a un cercle vert qui n'est peut-être pas très visible. À l'intérieur de ce cercle, il y a en fait les trois doubles points qui ont été grattés par la suite. À l'origine, il y avait en fait une ponctuation de fin de verset. Donc ce découpage à cet endroit fait que, si vous regardez l'édition moderne du Coran, la rime qui est en im pour les deux versets qui encadrent cette ponctuation ne coïncide pas du tout avec celle-ci qui est en un. Donc il y a ici une anomalie, si on veut, par rapport à la règle du style coranique. De cet exemple, figurant dans la tradition manuscrite du Coran, il est permis de faire l'hypothèse que la fonction de ces courts éléments textuels avait été initialement d'homogénéiser le Coran sur le plan stylistique. Les césures, sous forme de points qui les encadraient, étaient évidemment destinées à disparaître à cet endroit. Pourquoi ont-elles subsisté au moins un temps dans le manuscrit que je montre? Elles étaient probablement sur le modèle qu'utilisaient les copistes, qui, par erreur, les ont préservées à cet endroit. Par la suite, comme vous le voyez, elles ont été définitivement écartées. L'hypothèse de telles adaptations n'est, à vrai dire, pas neuve.
Elle avait déjà été formulée par Friedrich Schwally au début du XXe siècle, et Richard Bell, de son côté, avait identifié dans le texte des traces de ce travail éditorial en s'inspirant du récit traditionnel relatif à Abdallah ibn Abissar et à l'insertion de la formule finale du verset 14 de la sourate 23. Malgré cette petite divergence, le témoignage du Codex Parisino-Pétropolitanus nous maintient dans le contexte général de la Vulgate haussmannienne. L'individualisation de la clausule, dans le cas que je viens de vous montrer, et la rupture de la séquence des rimes est absolument sans conséquence pour le texte. Les occurrences où une clausule peut être le lieu d'une variante nous entraînent en dehors de la tradition haussmannienne. Parmi les variantes du Codex d'Ibn Mas'ud, qui ont été conservées dans le Kitab al-Masahif d'Ibn Abi Daoud, qui est mort en 928, trouve-t-on des cas qui se rapporteraient aux fins de verset ou même aux clausules. L'auteur de cet important témoignage sur l'état et l'histoire du texte coranique dans les débuts de l'islam a compilé, sourate par sourate, une liste des variantes qui, en principe, distinguaient la version d'Ibn Mas'ud. Sans s'attarder sur l'ordre même des sourates, dont nous savons par ailleurs qu'il était différent, Ibn Abi Daoud a relevé 17 cas où la partie finale d'un verset est concernée. À 8 reprises, la différence touche la rime elle-même, qu'elle soit ou non comprise dans une clausule. Ce serait par exemple le cas du premier verset de la sourate 3, où on a dans le codex d'Ibn Mas'ud « Al-Hay al-Kayyam » au lieu d'Al-Hay al-Kayyum, mais c'est à prendre avec des pincettes dans la mesure où Kayyam n'apparaît pas ailleurs dans le texte coranique. En fait, il n'existe qu'une une fin de verset dans laquelle la clausule est modifiée, et ce, par une interversion. Dans la même sourate 3, au verset 156, on trouvait, dans la version d'Ibn Mas'ud, comme vous voyez sur l'écran, au lieu du texte de la Vulgate qui se trouve en dessous. La première formulation, celle d'Ibn Mas'ud, offre une rime avec les deux versets suivants, les 157 et 158, tandis que la formulation canonique offre une rime avec le verset qui précède, verset 155. Une source beaucoup plus précieuse pour nous est représentée par la couche inférieure de texte du palimpseste de Sanaa, découvert par Costa donc en 1972. Je ne reviendrai pas sur la question de savoir s'il s'agit ou non d'un codex. Différentes démonstrations ont prouvé que c'était bien le cas, que c'était un mushaf. L'état du texte est différent de celui de la Vulgate. Ceux qui l'ont étudié, notamment Elisabeth Pouin, Benham Sadeghi et Mohsen Goudarzi, ont signalé dans leurs travaux différents types de variantes. La plupart concernent le texte, hors les éléments finaux des versets. Plusieurs touchent la rime au sens vraiment très strict, mais certaines concernent des clausules. À cette reprise, ce qui est en jeu est en effet un peu plus vaste qu'un mot, fût-il à la rime. J'en retiendrai trois exemples. Alors, ce que vous voyez ici, c'est je vous ai montré le palimpseste tel qu'on le voit à l'œil nu. Ça, c'est un travail qui a été fait en utilisant des photos aux ultraviolets et des photos à haute résolution pour faire émerger le texte inférieur. Le texte inférieur que vous voyez ici. Vous voyez, il y a des zones un peu plus claires, c'est la couche initiale du texte. On a gratté ce texte et on a réécrit un autre texte du Coran, cette fois-ci parfaitement canonique, au-dessus. Donc les dessins qui sont ici sont justement cette couche inférieure en éliminant les éléments supérieurs. Le verset 19 de la sourate 12 présente dans cette couche inférieure une formulation voisine de celle de la Vulgate, donc j'ai placé tout en haut dans une vignette. Wa Allah alim bima ya'malun. La variante concerne le verbe final en changeant une racine pour une autre de sens similaire, la racine fa'ala au lieu de amala. Il est possible de conserver le schem et surtout la terminaison, ce qui est après tout l'élément qui importe.
La clausule est donc légèrement modifiée dans le palimpseste par l'emploi d'un verbe synonyme. La séquence des rimes, dans ce cas, reste parfaitement inchangée. Le deuxième exemple consiste en une interversion analogue à celle que j'ai relevée tout à l'heure dans le cas d'Ibn Masoud. Dans la sourate 24, au verset 28, la Vulgate donne « Wa Allah bima ta'amaloun alim »« Allah de ce que vous faites est omniscient ». Dans la version représentée par la couche inférieure du palimpseste, on peut lire « Inna Allah habir bima ta'amaloun ». Allah est bien informé de ce que vous faites. Le verbe « ta'amaloun » devient le dernier mot de l'équivalent du verset 28 et l'adjectif « habir » au lieu de « halim » passe avant le groupe verbal. La version représentée par la couche inférieure du palimpseste rend du coup, et c'est intéressant, plus cohérente la séquence des rimes dans cette partie de la sourate. Le troisième exemple va un peu plus loin dans la même direction. Dans le palimpseste, on lit à la fin du verset correspondant à 9:27, sourate 9, verset 27 de la Vulgate, une double épithète, « Alim », suivie à la ligne suivante par « Hakim ». C'est ce que j'ai souligné en rouge. Ce n'est pas très très lisible, mais enfin, on peut le lire. C'est-à-dire « omniscient et sage ». Le texte canonique, quant à lui, a au même endroit « Rafur Rahim », « absoluteur » et « miséricordieux ». Malgré le changement, la séquence des rimes reste absolument inchangée. La tradition musulmane conserve plusieurs hadiths qui se rapportent directement à la situation que je viens de décrire. Dans les recueils classiques, Muslim, Bukhari, ils sont rangés dans la section relative aux sept ahruf. Certains d'entre eux contiennent d'ailleurs le mot harf au singulier ou au pluriel et demandent, et ça c'est un point important, de ne pas substituer la miséricorde au châtiment et le châtiment à la miséricorde. La formulation d'ensemble demeure vague, mais l'idée qu'il était possible de procéder à des substitutions est clairement exprimée. Celles-ci ne sont pas proscrites, mais encadrées. Cette licence équivaut à légitimer le recours aux synonymes, autrement dit la récitation bil ma'ana, selon le sens, supplantée par la suite par la récitation bil lafs, selon la lettre. Ce point apparaît notamment dans une version du hadith dont le protagoniste est Omar et qui a été conservé par Tabari. Il en existe des variantes qui, d'après leur isnad, remontent à d'autres compagnons, Abu Huraira ou Abu Bakra. La formulation demeure vague, il n'y a pas de référence à une sourate en particulier, mais l'affirmation d'un principe général qui est sous-tendu par le principe de la récitation bil ma'ana. Le cadre se précise dans un autre groupe de textes où la licence de procéder à des substitutions est illustrée par un exemple. Une tradition recueillie par Abdarrazak As-Sanani, mort en 827, est particulièrement représentative de cet ensemble. Le début du récit se présente de manière relativement similaire à la plus connue des traditions sur les sept arouf, celle de Zuri. Vous savez, c'est l'histoire où Omar entend un compagnon qui récite d'autrement, il attend la fin de la prière pour le tirer et l'entraîner devant le prophète et il récite d'une autre façon et le prophète à la fin dit les deux sont bons. Hein, c'est... Donc l'histoire reste, disons, à peu près sur les mêmes termes, avec un désaccord, mais cette fois-ci, c'est entre Ubay, un autre compagnon, et un autre compagnon qui n'est pas nommé. La fin, en revanche, est modelée sur les récits dont il vient d'être question, c'est-à-dire opposition à des interversions entre miséricorde et châtiment, et complétée par cette précision pratique. Si le verset s'achève par « Azizun Hakimun » et que vous dites « Sami'un Alimun », Allah est « Sami'un Alimun ». Le texte est sans doute dépourvu de la couleur qui caractérise le récit le plus connu, qui, c'est vrai, passe beaucoup mieux, il est mieux rédigé, mieux composé.
Mais qu'il s'agisse bien encore de la question des sept arouf est confirmé par le début même du texte où figure cette donnée et par un hadith plus concis qui, selon l'isnad, provient d'Abu Huraira et où il est question des sept arouf et de la faculté de réciter soit omniscient sage, alim hakim, soit absoluteur miséricordieux, rahafur rahim. Cela correspond très exactement à la différence observée entre la Vulgate et le palimpseste. Dans le Mustad d'Ibn Hanbal, mort en 855, trois paires d'épithètes sont mises sur un pied d'égalité. Hafur Rahim, Samir Alim et Alim Samir, tandis que dans les Sunan d'Abu Daoud, on peut lire « Toutes ces formules sont acceptables, que vous disiez Samiun Alimun ou Azizun Hakimun. » Ces paires d'adjectifs, généralement en fin de verset, sont relativement stables, comme le montre la liste dressée par Arne Ambrose dans son dictionnaire du Coran, où il fait le total de celles, il fait la recension de celles au nombre de 16 qui apparaissent plus de 5 fois dans le Coran. Il y en a en total 274 qui forment plus de 4% des fins de verset de l'édition que nous utilisons le plus souvent. Une grosse disparité se manifeste toutefois entre les quatre premières, 179 cas, et les autres. Ces dernières représentent qu'un tiers des épithètes redoublées contre 65% pour celles-ci, qui sont donc les plus fréquemment, je vous laisse les lire sur l'écran. Il ne s'agit pas d'une coïncidence si les paires d'adjectifs mentionnées dans les différents hadiths que j'ai cités sont précisément celles qui sont les plus fréquentes dans le Coran. Certes, il n'est pas spécifié qu'il est question des fins de versets, mais l'écrasante majorité des épithètes divines redoublées apparaissent précisément à cet endroit. Un courant au sein de la tradition musulmane a donc préservé dans différentes formulations une instruction remontant au prophète et affirmant qu'il était permis, au cours de la récitation, de substituer une paire d'épithètes divines par une autre. Il est difficile de penser qu'un tel enseignement, qui se démarque si fortement du littéralisme qui a accompagné la diffusion du rasme haussmannien, soit une forgerie mise en circulation à la fin du 7e siècle et encore moins plus tard. Sans doute faut-il ajouter que cette licence doit se comprendre à l'intérieur des limites posées dans le hadith d'Ubay recueilli par Abd al-Razak ou les autres qui ordonnent de ne pas mélanger miséricorde et châtiment et mettent donc l'accent sur le sens du message et non sur sa lettre. Comme je le suggérais plus tôt, il me semble nécessaire d'étendre l'application du terme « clausule » à un ensemble de formules finales dont l'importance est limitée en ce qui concerne le sens même du verset, et de fait leur disparition ne le modifie guère, dont les contours sont définis, équivalent à une incise, mais qui jouent un rôle effectif à des fins de rythme et de rime. Les hadiths, faisant référence aux paires d'épithètes divines dans le contexte des sept ahruf, concerne de fait plus largement les clausules. Faute à l'époque d'un terme spécifique, cette tradition a tiré parti pour désigner les clausules de la forte identité de ces associations de deux adjectifs, ce qu'on appelle en latin pars pro toto, formule bien connue. Il montre au sein de la tradition le maintien du souvenir de pratiques antérieures à la canonisation, voire à la mise par écrit. La comparaison du texte de la Vulgate avec les bribes qui nous ont été conservées de la version d'Ibn Mas'ud, mais plus encore avec les séquences du palimpseste, fait apparaître l'importance des fins de versets dans le travail de mise au point du texte. La souplesse qu'offraient les rimes, soit prise étroitement avec le dernier mot du verset, soit sous la forme de clausule, a pu être mise à profit lors de la constitution des sourates. Richard Bell n'avait sans doute pas choisi par hasard le verset 14 de la sourate 23 pour mettre en évidence des traces d'un travail éditorial dans le texte coranique. Le récit traditionnel relatif à Abdallah ibn Abissar et à l'insertion de la formule finale de ce verset invitait effectivement à examiner de plus près ce passage. Je vous rappelle que c'est une histoire qui est rapportée dans différents commentaires coraniques,
selon laquelle Abdallah était un des scribes du prophète, et il s'est exclamé à la fin de, après, disons, le verset, Alhamdulillah, et le prophète lui aurait dit, c'est ça, marque-le à la suite. Donc c'est ce verset-là qui est en cause. Tant que le prophète était présent pour valider ou infirmer une récitation et qu'aucune recension écrite complète du texte coranique ne pouvait être opposée à la parole, le caractère multiforme de la révélation pouvait se maintenir sans grande difficulté, pour les clausules bien sûr, mais aussi de manière plus générale. La circulation d'exemplaires écrits vint sans doute constituer un obstacle à la flexibilité du texte, bien que le travail éditorial qu'il a éventuellement accompagné ait pu tirer de la variable d'ajustement que représentaient les clausules. Les variantes qui les concernent, dans les différentes familles de la tradition manuscrite ancienne que nous connaissons, reflètent sans doute un premier état de ces textes circulant avec l'assentiment du prophète. Les recensions finales, dont nous avons connaissance et qui ont été réalisées après sa disparition, les ont tout naturellement conservées. J'ai gardé pour dernier exemple de variante d'une clausule dans le palimpseste un exemple particulièrement significatif pour ce qu'il implique de la flexibilité du texte jusqu'à une date avancée du 7e siècle, et même au-delà. Le passage concerné se trouve en effet être un des versets les plus célèbres du Coran, très certainement un de ceux qui étaient les plus aisément mémorisés, le verset de la lumière. Le parchemin du palimpseste a malheureusement été endommagé de telle sorte qu'il n'est pas possible de lire de manière satisfaisante l'ensemble du texte qu'il portait à l'emplacement où avait été transcrit la partie finale de la sourate, du verset 25 de la sourate 24. Néanmoins, les quelques lettres qu'il est possible de déchiffrer montrent de manière très claire que la clausule que nous connaissons par la Vulgate, « Wa Allah bi kulli shay alim », était autre dans cette tradition textuelle. Il est en effet possible de lire, de restituer, pardon, la Allahum, ça c'est ce qu'on voit à la fin de cette ligne, puis quelque chose qui est en partie endommagé, mais d'après la terminaison, pourrait être soit Yatadakkarun ou Yatafakkarun. Si on regarde du côté des variantes de lecture, alors cette fois-ci on ne parle pas de variantes textuelles, c'est simplement les qirat, c'est-à-dire les choses qui sont admises dans la lecture du texte coranique. Donc si on regarde du côté de ces variantes, on notera, par exemple dans ce dictionnaire récent, qu'elles sont nombreuses pour ce même verset, ce qui pourrait être un indice qu'il y a eu effectivement une situation complexe dans la transmission de ce verset. Mais on peut dire la même chose de la sourate 1. L'étude des manuscrits anciens du Coran et leur mise en parallèle avec les données préservées par la tradition musulmane donnent un aperçu neuf sur la façon dont les premières communautés ont reçu le texte coranique comme un texte multiforme dans le détail, mais où la structuration des sourates était en place dès une période très haute. La comparaison entre la Vulgate et le palimpseste est tout à fait claire de ce point de vue. Dans le hadith, les clausules représentées par les paires d'adjectifs constituent une synecdoque qui désigne toutes les situations dans lesquelles la substitution pouvait prendre place. Il est permis de penser que les clausules étaient peut-être, dans un premier temps, une pratique associée à la récitation dont ils sont devenus, dans le processus de mise par écrit dès la fin de la période mécoise, un véritable outil éditorial. De ce cheminement, différentes traces ont été conservées, dans la tradition musulmane bien sûr tout d'abord, mais aussi dans les manuscrits des premiers temps, le palimpseste de Sanab, mais aussi d'autres qui, comme le Codex Parisino-Petropolitanus, conservent un texte tout à fait similaire à la recension haussmannienne. Le primat de ces dernières a été le résultat d'un long combat politique et théologique que vous connaissez bien, visant à la faire accepter définitivement par l'ensemble de la communauté. Mon deuxième exemple nous entraîne un bon siècle plus tard. Plusieurs évolutions ont eu lieu qui ont modifié l'apparence du mushaf. Son écriture, son ornementation, mais aussi son format ou encore son orthographe ont changé. De plus,
dès la fin du 7e siècle, on a commencé à noter les voyelles brèves avec des points de couleur. Les fragments d'un manuscrit impressionnant produit entre 710 et 715 sous le règne de l'Omayyad al-Walid, le premier du nom, se trouvaient dans ce même dépôt de Sana'a. Impressionnant par sa taille, in folio, mais aussi par les décors, comme ces enluminures représentant probablement des mosquées, il donne une idée de la transformation qui a eu lieu en l'espace d'un demi-siècle. Les sources évoquent l'activité de l'État en ce domaine. Le célèbre Al-Hajjaj ibn Yusuf aurait supervisé une révision du texte, puis envoyé dans les provinces des copies de la nouvelle version en faisant détruire les copies les plus anciennes avec un succès mitigé puisque, nous l'avons vu, un certain nombre de Corans antérieurs ont survécu. Plusieurs copies que des datations avec le C14 placent vers la même époque ont survécu et partagent un certain nombre de caractéristiques avec le grand Coran de Sana'a. Les trois manuscrits dont je vais parler sont connus depuis plus longtemps que le manuscrit Omeyyade, mais n'ont paradoxalement pas suscité autant d'émoi que cette découverte récente. Le premier, que j'appellerai la copie de Foustat, puisque c'est de cet endroit que proviennent les feuillets qui sont dispersés entre le Caire, Paris et Gotha, une évaluation de la quantité du texte présente sur les feuillets conservés à Paris permet de conclure que le manuscrit contenait à l'origine 650 feuillets. Le deuxième manuscrit est la copie de Tashkent. C'est là que se trouve en effet la plus grande partie du manuscrit, mais un certain nombre de ces feuillets sont dispersés un peu partout à travers le monde. À partir de la quantité de textes présents sur ceux qui sont maintenant à Doha, on peut déduire que la copie contenait à l'origine à peu près 1000 feuillets. Le troisième manuscrit, conservé au Caire dans le Mashhad Hossein, contient actuellement 1087 feuillets avec le texte pratiquement complet du Coran. Faute d'un examen direct de son état actuel, nous ne savons pas s'il a été restauré, comme c'est le cas pour les copies de Foustat et de Tashkent qui incluent des feuillets en papier ajoutés ultérieurement. Ces trois exemplaires du Coran ont quelques points communs. Les plus évidents sont la taille des feuillets d'environ 55 cm sur 70, les 12 lignes de texte sur chaque page, ou encore l'absence totale de signes pour les voyelles brèves. Tous semblent avoir été des manuscrits en un seul volume. Pour rendre ces copies plus impressionnantes, les artisans chargés de les réaliser ont dû recourir à une technique spécifique pour leur construction. De l'extérieur, elles ressemblent à des codex normaux, autrement dit, des livres construits à partir de cahiers cousus ensemble, tirant parti de leur pli central pour faire passer la couture. Cependant, les feuillets de Foustat et de Tashkent que j'ai pu analyser et le rapport de Shenbunin, un savant russe qui avait travaillé sur ces deux manuscrits, racontent une histoire tout à fait différente. Parlons un instant de technique. Le parchemin a cette particularité que ses faces n'ont pas la même apparence et qu'il est possible de distinguer entre le côté poil et le côté chair. Shenbunin avait déjà remarqué que dans le manuscrit de Tashkent, les feuillets avaient été empilés les uns sur les autres dans la même position, le côté chair étant le recto des feuillets du début à la fin. Sauf erreur dans la production de la copie, ce qui s'est d'ailleurs parfois produit, chaque fois que le manuscrit est ouvert, le lecteur voit à droite la page avec le côté poil et à gauche une page avec le côté chair. Il aurait été pourtant très facile d'alterner la position des feuillets afin d'obtenir des ouvertures homogènes, côté poil face au côté poil et inversement pour le côté chair. La même observation peut être faite à propos de la copie du Caire, même si je ne l'ai examinée qu'à travers de mauvaises photos. La séquence des côtés du parchemin et la taille des feuillets de ces copies impliquent qu'il s'agit de volumes in plano où chaque feuillet représente la peau entière d'un animal. Ces trois exemplaires du Coran sont un cas unique
dans l'histoire du livre islamique ancien. Ces volumes in plano étaient littéralement les plus grands manuscrits que l'on pouvait produire avec du parchemin, sauf bien sûr si on avait pu transformer en parchemin une peau de chameau ou encore d'éléphant. Malheureusement, c'est un petit peu difficile. Les copies de Foustat et du Caire ont été copiées dans une écriture assez similaire à celle de la copie de Sana, avec des traits épais, légèrement inclinés vers la droite, comme les manuscrits de style Hijazi. En revanche, l'écriture de la copie de Tashkent est plutôt homogène et présente une affinité lointaine avec un autre style. Les copistes travaillaient dans des conditions difficiles en raison de la taille même des feuillets. La page était certainement inclinée, reposant peut-être sur une sorte de plaque. Cela apparaît particulièrement clairement lorsqu'on examine la partie inférieure des lettres qui est souvent plus foncée du fait que l'encre appliquée sur le parchemin a coulé vers le bas avant de sécher. La hauteur de l'écriture, la taille des lignes, se combine avec l'importance accordée à la composante horizontale soulignée par l'élongation d'un certain nombre de lettres, comme vous pouvez le voir sur cette ligne. Chebounine avait publié une planche où il avait rassemblé quelques exemples spectaculaires d'un unique mot occupant toute une ligne. Les feuillets initiaux et finaux de nos trois manuscrits ont disparu, ce qui rend impossible une étude comparative avec la copie de Sana, dont nous possédons justement le début et la fin et rien entre les deux. Les enluminures qui subsistent sont principalement des bandeaux de sourates. Leur répertoire ornemental est répétitif et repose principalement sur des motifs géométriques. Fréquemment, dans les trois copies, un module est répété sur toute la longueur de l'enluminure, généralement des formes carrées ou presque carrées. Cette façon de procéder était déjà attestée dans les manuscrits omeyyades du Coran, par exemple dans des exemplaires qui sont maintenant à Dublin ou à Kairouan. Les cercles et les motifs liés aux cercles sont assez courants, disposés sur une ou plusieurs rangées, avec des entrelacs soit associés à des cercles, soit couvrant entièrement la surface des bandeaux. La copie de Foustat se démarque parfois toutefois des deux autres et contient fréquemment des rangées uniques d'arcades, comme c'est le cas ici, où vous avez une série d'arcades au-dessus du bandeau. Mais nous ne connaissons à ce jour qu'un seul, exemplaire de deux rangées superposées d'arcades qui pourraient évoquer l'exemplaire de Sana avec son dessin de mosquée. Il y a également un autre cas dans cette même copie où c'est toute la largeur du bandeau qui est en fait constituée par deux arcades dont la terminaison est sur le côté gauche. Les bandeaux de sourate sont généralement accompagnés par des ornements marginaux, les vignettes qui étaient déjà présentes sur les copies omeyyades. Elle est placée soit aux deux extrémités, comme c'est le cas ici, soit uniquement à celle qui se trouve dans la marge extérieure. Les vignettes qu'on rencontre sur la copie de Foustat sont plus complexes que celles des manuscrits de Tashkent et du Caire. En effet, des composants architecturaux, colonnes ou arches, s'y trouvent à nouveau et contribuent à leur structuration. Bon, elles sont dans ce cas présentées verticalement, mais c'est pour vous permettre de mieux apprécier les éléments architecturaux dont je parle. Un groupe de décors est même recouvert par des éléments végétaux qui se déploient dans l'espace défini autour de lui. Dans ce même manuscrit, on rencontre, et ça c'est quelque chose qui mérite d'être souligné, un détail du bandeau de la sourate 38 qui se rattacherait à des décors des mosaïques du Dôme du Rocher, d'époque omeyyade, donc du règne de Abd al-Malik, ou d'un manuscrit également de période omeyyade qu'on voit là-haut. Donc c'est cet élément ici dont j'ai malheureusement uniquement une mauvaise photo en noir et blanc.
Donc c'est la copie de Foustat laisse donc apercevoir une relation avec ses prédécesseurs omeyyades, alors que celles de Tachkent et du Caire s'en sont clairement éloignées. Il existe cependant une relation évidente entre les copies du Coran de Tachkent, du Caire et de Foustat. Elles ont en commun, je le disais déjà, le format légèrement oblong, l'absence de notation des voyelles brèves, l'enluminure peu élaborée qui évite l'utilisation de l'or. Les manuscrits in folio omeyyade faisaient partie d'un effort conscient visant à produire des copies du texte sacré plus importantes que celles des débuts, celles en caractère hijazi, et que nous avons vues en commençant. Les manuscrits avec 12 lignes à la page, en revanche, vont plus loin dans la direction de la monumentalité. Alors que le manuscrit de Sana, pourtant un in-folio, avait réclamé pas moins de 185 peaux de mouton, il en avait fallu plus du triple pour produire la copie de Foustat, et que dire de celle du Caire ou de Tachkent, puisque dans les deux cas, c'était 1000 animaux qui avaient été transformés en parchemin. Deux analyses au carbone 14 ont été réalisées et coïncident pour donner des dates dans la fin du 7e et première moitié du 8e siècle, ce qui s'accorde assez bien, somme toute, avec les observations de l'influence omeyyade sur l'enluminure du Coran de Foustat et certaines particularités archaïques de son orthographe. Ces manuscrits, en général, dateraient donc de la deuxième moitié du 8e siècle. Ça, c'est un premier résultat. Ce qui est intéressant, c'est que les sources arabes nous donnent des indices qui permettent d'aller un peu plus loin. Elles fournissent un contexte qui rend compte de cette inflation de taille des manuscrits et permettent de préciser la datation. Une autorité légale active dans la seconde moitié du 8e siècle, Malik ibn Anas, mort en 796, avait exprimé à propos du Mus'haf des opinions auxquelles notre groupe de manuscrits coraniques à 12 lignes se conforme. Il avait ainsi désapprouvé l'emploi des signes indiquant les voyelles brèves sur les Mus'haf de référence qu'il appelait Ummahat al-Masahif et condamné les copies du Coran en plusieurs volumes. Selon un autre commentateur, il avait également critiqué l'enluminure, soit parce qu'elle risquait de distraire le lecteur, soit parce qu'il s'opposait à l'utilisation de l'or dans le Coran. Il est en fait surprenant que des copies qui nécessitaient un investissement absolument énorme pour l'achat de 1000 feuillets de parchemin aient été si mal enluminées et sans aucune dorure. Cela ne pouvait être que le résultat d'une décision délibérée. On peut probablement en dire autant des enlumineurs qui n'étaient nullement aussi compétents que ceux des fragments de Sana. Le ou les commanditaires avaient décidé de se passer des services d'enlumineurs de talent. Ces copies gigantesques et extrêmement coûteuses ne peuvent être comprises comme des copies impériales d'apparat produites à un moment où des vues rigoristes, telles que celles exprimées par Malik, avaient pris le dessus dans la seconde moitié du 8e siècle et où les autorités cherchaient à impressionner la communauté musulmane par des gestes exceptionnels. Cela pourrait correspondre à un autre récit de Malik transmis par un historien égyptien postérieur, Samhoudi. Selon cette source, le calife Abbaside al-Mahdi, le père donc de Harun al-Rachid, aurait passé commande d'exemplaires coûteux du Coran qu'il aurait envoyé dans les grandes villes de l'Empire, imitant la mesure similaire prise quelques décennies plus tôt par Al-Hajjaj ibn Yusuf, qui lui-même imitait en principe le calife Osman. Dans la mosquée de Médine, la ville où vivait Malik, le codex d'Al-Mahdi remplaça celui des Omeyyades qui fut déposé dans un coffre à côté du Minbar. Cette bataille de livres semble correspondre plus généralement à la politique d'Al-Mahdi en ce qui concerne les Omeyyades. Son désir d'éliminer les traces de la dynastie rivale dans la sphère religieuse explique des décisions qu'il avait prises ou qu'il aurait prises. À la Mecque, selon Tabari,
il fit retirer les voiles couvrant la Kaaba, les Kiswa, qui avaient été offertes par les Omeyyades et s'étaient accumulées au fil des ans afin de les remplacer par les siens. De même, il souhaita éliminer la base en bois que Mouawiya, donc le fondateur de la dynastie Omeyyade, avait ajoutée au minbar du prophète dans la mosquée de Médine, mais dut renoncer à ses plans sur les conseils du même Malik, qui lui fit observer que cette opération aurait pu endommager la structure originale. À partir de ces divers éléments, je suggère de dater les trois manuscrits de la seconde moitié du 8e siècle, plus précisément, bien sûr, du règne d'Al-Mahdi, c'est-à-dire entre 775 et 785. Les Corans à 12 lignes répondaient en général aux besoins de propagande du régime abbasside nouvellement installé et à ceux d'Al-Mahdi en particulier. Ces copies, visuellement reconnaissables, étaient différentes et plus volumineuses que leurs prédécesseurs omeyyades, un volume in plano et non plus un in-folio qui est bien sûr plus petit. Je suggère également que le manuscrit de Foustat est légèrement plus ancien que les copies de Tashkent et du Caire. D'un côté, il repose plus clairement que les deux autres sur un répertoire omeyyade, bien que déconstruit, et de l'autre, le nombre plus impressionnant des feuillets des manuscrits de Tashkent et du Caire, qui utilisent le mashq, peut refléter un meilleur contrôle des techniques requises pour gagner de l'espace dans la course au gigantisme. Al-Mahdi n'a pas seulement envoyé une telle copie à Médine, mais il souhaitait manifestement montrer à d'autres communautés de son empire qu'il avait surpassé les Omeyyades. Il ne lui échappait certainement pas que ces derniers avaient été les premiers à avoir exploité les copies coraniques à des fins de propagande. Leurs copies in folio étaient en concurrence avec les Bibles in folio, comme le Codex Sinaiticus, et promouvaient l'image du calife. Si nous acceptons l'analyse que fait le savant allemand qui a publié c'est une reconstitution dessinée de l'enluminure du manuscrit de Sana. Donc le von Bothmer qui a publié le manuscrit propose l'hypothèse que les enluminures en fait sont des représentations effectives d'une part de la mosquée de Damas, donc ce serait celle-ci, voilà le plan de la mosquée, et l'autre serait la mosquée de Médine. Et la mosquée de Médine se caractérise par le fait qu'elle a une cour centrale. Donc, en tête du volume, Al-Walid aurait fait mettre, si vous voulez, une sorte de photo, bon, c'est une enluminure, représentant ces deux grandes réalisations de prestige, qui étaient donc la restauration de ces deux mosquées. Quel était le lieu de production des manuscrits ? Le patronage impérial que je propose ici peut impliquer que les copies aient été transcrites à proximité du centre de l'Empire, que, comme vous le savez, les Abbassides avaient déplacé vers l'Est, en créant la ville de Bagdad. Cheboudin avait suggéré que la copie de Tashkent avait été réalisée à Basra, en se fondant sur des particularités textuelles, mais l'argument n'est pas très convaincant et il faudra, à mon sens, des recherches supplémentaires pour répondre à cette question. Plusieurs ateliers semblent avoir été impliqués, mais ils ne pouvaient ni ne voulaient engager des enlumineurs qui auraient pu produire des ornements de la même qualité que leurs précurseurs omeyyades. Était-ce une question de géographie ou d'autres raisons sont-elles intervenues ? La familiarité avec l'iconographie de la fin de l'Antiquité tardive, qui est manifeste dans certaines enluminures omeyyades, a conduit à l'hypothèse que certains artistes chrétiens avaient participé à la production d'au moins quelques copies de Corans omeyyades, ce qui ne doit pas surprendre puisque les sources conservent le souvenir de copistes chrétiens travaillant à copier le Coran pour des commanditaires musulmans sous les omeyyades. Un changement d'attitude à cet égard ne peut être exclu de la part des nouveaux maîtres de l'Empire. Monumental est certainement l'adjectif qui décrit le mieux ces copies qui étaient destinées à frapper l'imagination des fidèles. Elles reposaient, et ça fonctionne encore, au début du XXIe siècle,
Elles reposaient sur l'idée très simple, mais efficace, de magnifier au sens littéral la parole de Dieu. De la feuille au volume, toutes les composantes ont été portées à leurs limites. En fait, celles qu'imposaient les pots utilisés dans la préparation du parchemin. C'est parce qu'il y avait une limite physique qu'on ne pouvait pas aller plus loin. Dans le contexte historique du début du règne des Abbassides, ces copies étaient le dernier mot dans ce domaine, dans la lutte contre les Omeyyades récemment renversés, une ultime bataille contre la mémoire et non plus contre une armée. En renouvelant l'envoi par Osman des Masaïf al-Amsar, al-Mahdi entendait sans doute aussi écraser les recensions rivales du Coran, comme celle d'Ibn Mas'ud, que Malik ibn Anas se chargeait de condamner d'un point de vue juridique de son côté. Ces Corans surpassaient enfin, par leur dimension imposante, les livres des autres religions révélés. La technique est certainement le point faible de ces manuscrits. Leur taille et leur poids auraient nécessité une structure plus solide, et le fait que de tels volumes gigantesques de parchemins aient cessé d'être produits au IXe siècle laisse penser que cette coûteuse expérience s'était avérée décevante. Ces deux exemples vous auront, je l'espère, donné un aperçu de la richesse de ce patrimoine qui sort peu à peu de l'ombre. Il fait désormais l'objet d'études par des savants de nombreux pays qui ont réalisé l'importance de cette source d'information. N'est-il pas émouvant de penser que certaines copies anciennes ont été réalisées à une époque si ancienne et si proche de la prédication du prophète? Je vous remercie. Merci beaucoup. Professeur, pour cet exposé fascinant. C'est très intéressant de voir comment les données de la science peuvent dialoguer avec celles de la tradition, hein, du hadith et de l'histoire, et s'éclairer les unes les autres. Hein. Ça, c'est vraiment tout à fait fascinant. On croit comprendre de votre introduction qu'on est juste au début, finalement, d'une compréhension de l'histoire de tous ces documents et pour pouvoir les resituer dans une chronologie et les éclairer les uns par rapport aux autres. Peut-être je pose une première question en attendant que dans la salle il y ait d'autres questions qui émergent. Où en est-on finalement de cette exploitation des manuscrits coraniques? Est-ce que au début vous avez dit j'ai fait le catalogue, mais je croyais que tout avait été fait, mais rien n'avait été fait. Où en est-on 40 ans après? Alors il y a beaucoup de progrès qui ont beaucoup de progrès ont été faits. C'est-à-dire que maintenant, beaucoup de gens s'intéressent à ces manuscrits. Si vous voulez, le problème initial, c'est que les gens voyaient ces manuscrits comme une espèce de magma informe. C'était des manuscrits koufiques et on mettait ça dans le même panier. À partir du moment où on a commencé à les ranger en catégories plus petites, on a commencé à pouvoir en parler, à les comprendre. On a pu aussi, parce que justement on avait fait des catégories plus précises, on a pu commencer à les reconstruire. Parce que comme je le disais, ces manuscrits, où sont-ils? Ils sont au Caire, mais il y a des morceaux à Paris, à Saint-Pétersbourg, à Berlin, à Londres, à Gotha. Et donc, tant qu'on n'avait pas de clé pour identifier un manuscrit et faire le rapprochement avec les autres bouts, finalement, tous ces morceaux étaient épars. Et donc, à partir du moment où on commence à avoir des manuscrits qui se reconstituent, on peut faire des observations sur un peu plus qu'un feuillet. Quand vous êtes face à un feuillet, vos observations sont ridicules parce qu'elles sont faussées par le fait que vous ne voyez qu'une chose. Quand vous avez 30, 50, 100 feuillets d'un manuscrit, là vous avez des séquences de textes suffisantes, des séquences de décors pour commencer à analyser les choses de manière sérieuse. Et alors, le travail a commencé de cette façon et, si vous voulez, quand j'ai commencé, par exemple, le catalogue de la Bibliothèque nationale, maintenant me paraît ridicule parce que je n'ai pas du tout tenu en compte l'identification des lectures.
À l'époque, ne savais pas comment faire pour identifier les lectures. Maintenant, on travaille sur les lectures et on découvre justement des choses intéressantes sur l'histoire des lectures, parce que ces manuscrits vous permettent de regarder parfois une période qui n'est pas encore celle des imams. Hein, on a des lectures qui sont antérieures à celles des sept imams qui ont été retenus par Ibn Mujahid. Donc c'est intéressant d'avoir cette photo de la pratique des gens. Vraisemblablement, ça mènera à repenser l'émergence des lectures canoniques. Oui, oui. Merci, je voulais vous poser deux questions. La première, quand on fait une datation au carbone 14, par exemple le manuscrit de Sana'a, est-ce qu'on date tous les feuillets et on fait remonter cet ensemble aux dates que vous avez indiquées ou quelques feuillets? Ça, c'était la première. Et puis la deuxième, même si certains feuillets, si ce n'est pas l'ensemble qui est daté de la moitié ou la deuxième moitié du 7e siècle, vous étiez un peu sur une fourchette de date, et on peut le comprendre. Est-ce que la collecte de la Vulgate correspondrait à plutôt l'hypothèse de Prémar, c'est-à-dire autour de justement Abdelmalek el-Hajjaj, c'est-à-dire la entre 685 et 705 ou 704, la Vulgate entière. Alors, sur le premier point, si vous voulez, ce serait idéal. Dater chaque feuillet, si vous voulez, plus vous faites de datation, plus je ne sais pas si vous avez vu, il y avait un sigma, c'est l'indication du taux de probabilité diminue. Donc, si vous avez... Ce sont bien sûr les conservateurs des bibliothèques qui vous autorisent à découper un morceau de parchemin dans leur manuscrit. Et le C14 est une analyse destructive, c'est-à-dire que vous transformez du parchemin en gaz pour pouvoir l'analyser. Tous les conservateurs ne sont pas disposés à sacrifier. Alors, il y a eu des changements. Quand j'ai commencé, il fallait pratiquement la moitié d'un feuillet de manuscrit. Donc, on vous riait au nez. On vous disait, mon cher monsieur, revenez. Voilà. Maintenant, on parle de quelque chose de la taille de la moitié de l'ongle de mon petit doigt. Donc, on a la possibilité de le faire. Et ça permet d'avoir maintenant un faisceau de dates qu'on peut combiner avec d'autres données, la paléographie, donc les écritures, l'orthographe, la construction des manuscrits. Donc le carbone 14 est vraiment a été un progrès considérable. Sur le deuxième point, non. Personnellement, les données me font penser que justement la mise par écrit a eu lieu, sinon sous le règne de Haussmann, parce qu'on peut disons qu'il y a un certain nombre de problèmes, mais antérieurement aux Omeyyades. Justement, l'hypothèse d'une mise par écrit sous les Omeyyades ne me paraît pas tenable pour une raison très simple, c'est qu'on a des manuscrits qui sont d'un état antérieur aux manuscrits dont on peut démontrer qu'ils sont Omeyyades et grosso modo datables du règne de Abd al-Malik. Oui, je parle de l'histoire est sans doute plus compliquée. Hein, il y a vraisemblablement déjà à Médine et peut-être à la Mecque des recueils qui étaient constitués. Hein, vous savez que, bon, à propos des lettres mystérieuses, il y a une des hypothèses, c'est que les sourates avec les lettres mystérieuses correspondent à des sortes de petits recueils qui ont été constitués déjà à l'époque de la prédication. Donc, il y a
ça. Il y a d'autres indices qui laissent penser, et c'est pour ça que c'était la première partie de ma présentation. Si vous voulez, le fait qu'on ait des transmissions différentes repose bien sûr sur une transmission orale, mais également sur une transmission écrite qui a déjà commencé à figer les choses. C'est parce que les uns ont opté pour Ghafur Rahim qu'ils vont rester dessus une fois que c'est mis par écrit, alors que les autres auront une autre clausule à cet endroit. Donc il y a cette circulation qui est antérieure à la canonisation. La canonisation haussmannienne se fait sans doute effectivement vers 650-660, mais à l'époque de Abd al-Malik, les choses sont déjà bien encadrées. Effectivement, il y a la retouche qu'apporte Al-Hajjaj, mais qu'est-ce qu'il fait Al-Hajjaj? En principe, c'est plus des retouches cosmétiques et ponctuelles que une affaire de collecte. C'est quelque chose qui porte sur des détails et non pas sur le texte lui-même. En revanche, alors, c'est vrai que vous savez que pour le récit de la mise par écrit, on dépend du récit d'Az-Zuhri. Et lui est problématique. Il est également problématique pour les sept Ahruf. C'est quelqu'un qui raconte bien les choses. Mais dans le cas de la mise par écrit, de toute évidence, il a incorporé des éléments qui ne sont pas techniquement possibles avant l'époque omeyyade déjà bien commencée, début du 8e siècle. Hein, quand Osman dit « Ah, on va mettre le Coran par écrit de manière à ce qu'il n'y ait pas de divergence entre les uns et les autres », si vous regardez les Corans Hijazi, où il n'y a pas de notation des voyelles brèves, vous n'arrivez pas à ce résultat. En revanche, Zuhri a parfaitement connu les manuscrits du début du 8e siècle où on a des voyelles et où donc effectivement la marge de variation a brusquement réduit de manière dramatique. Donc il incorpore cet élément dans son récit pour, disons, justifier davantage l'entreprise qui a été lancée bien 50 ans plus tôt. Merci. Alors, merci d'abord pour la présentation. Et juste en lien avec la flexibilité lexicale dans le texte coranique, vous en parlez de Ghafur, de Rahim, entre parenthèses, je crois que la consonne M et El Mim ou El Noun sont des consonnes faibles en arabe. Je pense qu'ils arrivent à les faire rimer sans qu'on sente qu'il y ait une discontinuité entre les deux mots. Est-ce que cette flexibilité lexicale, qui est bien sûr qui provient du fait que le texte n'était pas stabilisé sur le plan de la ponctuation, est-ce qu'elle toucherait d'autres mots dans le texte, à la fois dans la flexibilité, mais surtout dans la mobilité, c'est-à-dire les mots peuvent être mobiles dans la phrase, et voire même ils voyagent d'un verset à un autre verset, ce qui fait que la stabilisation, c'est une stabilisation presque humaine, artificielle, d'un texte beaucoup plus instable, beaucoup plus flexible et beaucoup plus mobile. Alors, vous avez, dans le palimpseste, on a tout à fait ce genre de cas. Alors, il y a un très bel article de Yacine Dutton qui a fait un parallèle, qui s'est inspiré en fait des travaux qui ont été faits sur la transmission de la poésie épique. Vous savez que pour en réfléchissant à la façon dont l'Iliade ou l'Odyssée se sont mis en place, des savants anglais s'étaient inspirés d'observations qu'ils avaient faites sur des bardes, donc des chanteurs d'épopées yougoslaves dans les années 20-30, et ils avaient observé la façon dont l'histoire restait la même, mais justement il y avait des mots qui bougeaient de versets,
français, etc. Et donc, lui reprenait ce parallèle à propos du Coran en disant justement que c'était le texte oral se répétait de manière différente, que il parle de performance, était chaque fois un petit peu différente, mais effectivement que l'histoire reste la même. Donc on a tout à fait ces genres de glissements, de mots, éventuellement d'un verset à un autre, mais fondamentalement, et ça c'est une des choses très intéressantes à mon avis que nous donne le palimpseste de Sana, c'est que les sourates, elles sont figées déjà. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez ces petites bricoles qui peuvent bouger, mais les versets sont déjà dans l'ordre. C'est ça qui m'a fasciné, en fait, en repensant à l'histoire des sept Ahruf dans le récit de Zuhri. Omar n'a aucun problème à reconnaître la sourate Al-Furqan. Hein, le fait, c'est que l'autre la récite différemment, mais c'est la sourate. Et ça me frappe que les collègues qui ont déchiffré le palimpseste n'ont pas tardé 10 minutes à dire, à donner les numéros traditionnels, même si dans le palimpseste, l'ordre des sourates est différent. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas rangées dans l'ordre que nous connaissons dans la Vulgate, elles sont dans un autre ordre, mais leur contenu est déjà bien établi. Donc c'est très intéressant, parce que ça veut dire que la sourate elle-même, vous savez qu'il y a eu beaucoup de débats sur qui a fait les sourates, puisqu'il y a des récits justement de la mise par écrit où Zaïd dit c'est à propos de la fin de la sourate 9, et s'il y avait eu trois versets, j'en aurais fait une sourate plus tard. Bon, ça c'est. Disons, ce sont des récits pour les petits-enfants. En fait, les choses étaient déjà bien établies, et la variation, elle se situait à un autre niveau. Jamais au macro, mais au micro, si vous voulez. Et ça, ça a été quand même une surprise après la découverte des manuscrits de Sanaa, parce que dans l'érudition universitaire d'il y a 50 ans, il y avait des hypothèses très large sur la date de constitution du Coran. Voilà, ils sont complètement tombés par terre. Disons que quand. Maintenant c'est un petit peu oublié, mais quand j'ai commencé en 79, c'était juste après le livre de Wandsworth, où il dit le Coran, il s'est constitué avec justement des bouts qui traînaient en Irak à la fin du 8e, au début du 9e siècle. Et bon, moi j'étais avec mes manuscrits qui dataient du 7e siècle, parce que ça faisait rire, parce que ça veut dire que c'était des gens qui n'avaient jamais pris conscience que les manuscrits étaient là. Et c'est d'ailleurs un petit peu aussi ce qui a suscité de l'intérêt pour les manuscrits, c'est qu'on s'est brusquement rendu compte qu'il y avait une évidence, des preuves qui étaient anciennes. Elles ne sont pas, encore une fois, à 100% conformes à ce que dit la tradition, mais il y a quand même quelque chose qui est indubitable, c'est que le Coran est pratiquement tout le Coran. On n'a pas de manuscrit complet avant le milieu du 8e siècle, mais si vous voulez, en mettant bout à bout les différents manuscrits, on arrive à avoir tout le texte du Coran. Merci beaucoup pour ce bel exposé. Justement, à propos de ces variations, il y a quand même le problème des signes diacritiques qui, en tout cas dans les manuscrits que vous nous avez montrés, il est clair que ces signes sont absents, mais on retrouve même, l'absence persiste des fois même dans le Coran bleu, par exemple, du Xe siècle. Et puis vous connaissez mieux que moi la fameuse polémique des chiites par rapport à Alain qui devient Ali, disons, qui d'après eux aurait été Ali et pas Alain. Donc c'est un exemple assez typique de ce problème-là. Et la deuxième partie de ma question, ça serait aussi le lien de l'établissement de ces signes en lien avec l'évolution de la grammaire arabe. Parce que je pense que c'est un point ça a dû interagir aussi, je suppose, cette élaboration. Oui, effectivement, la grammaire est très très vite intervenue pour essayer de justement de comprendre, de justifier et de, enfin,
éventuellement de trouver les points qui posaient problème. Alors pour les diacritiques, il faut penser qu'on a un texte complet, pratiquement, enfin ce que je vous disais à l'instant, mais on a un texte qui est avec d'énormes trous, qui est justement la vocalisation brève et les diacritiques. Et c'est très curieux parce que on m'avait appris que les diacritiques intervenaient un peu plus tard. Maintenant, sur les plus anciennes copies du Coran, il y a déjà des diacritiques. Mais très curieusement, les gens ne les utilisent pas. Ça me trouble beaucoup, par exemple, que les gens mettent un point diacritique sur un noun final qui est absolument, enfin, qu'on peut confondre avec rien du tout. Mais en revanche, ils n'en mettront pas sur la première indentation qui sera un ya ou un ta suivant que ou un nun pour un verbe qui est un point important. Enfin, c'est très curieux que les éléments qui d'un point de vue du discours, alors cette fois-ci théologique, aurait pu être important de savoir si c'était une deuxième, troisième ou première personne du pluriel. On attend finalement beaucoup plus tard pour les mettre en place. Justement, ça a été mis en quelle année d'après vous ? Alors, c'est très curieux et surtout c'est un c'est incompréhensible parce que on a l'impression qu'il y a eu un développement vers le début du 8e siècle et puis dans le courant vers la fin du siècle, brusquement on a une espèce de laisser aller, on ne met plus les points et au début du 9e siècle, on a des manuscrits qui sont pratiquement sans point diacritique. Là aussi, cette fois-ci, on a le problème des milieux dans lesquels circulaient ces manuscrits. On ne sait pas du tout à qui ils étaient destinés. Et ça pourrait bien sûr être important pour nous permettre de comprendre pourquoi ils étaient de cette manière et pas d'une autre. On a encore le temps pour une ou deux questions. Bonsoir, professeur. Au-delà de l'exposé que vous nous avez présenté, j'avais deux questions d'ordre général. Je suis très ravi d'écouter un professeur au Collège de France sur un sujet ô combien opportun, mais j'ai envie de vous interroger sur ce qu'apporte l'histoire de la transmission des textes par rapport au sujet islamique, par rapport au sujet de l'islam. C'est-à-dire qu'à contrario d'Alfred Louis de Prémar, qui lui avait écrit un très bon livre synthétique sur les questions d'islam, il s'était interrogé sur la question du Coran créé, incréé. Et vous faites un pas de côté pour montrer que certains sujets peuvent être abordés par une approche historique, notamment la transmission du texte. Vous savez que la thèse des Rousouli dans l'école chiite Jafarite, c'était de s'interroger sur s'il n'y avait pas eu une falsification du corpus coranique, qui est un sujet très 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 compliqué à aborder. Et évidemment, cette thèse a été abandonnée par la théologie chiite à terme pour éviter évidemment la fracture entre l'ère Ahl al-Sunna et la tradition Jafarite. Ça, c'était une des questions. Et la deuxième, il y a un grand projet, programme académique aujourd'hui en Allemagne autour du corpus coranicum. Et la France a une grande histoire, un héritage orientaliste, et on est très triste, évidemment, qu'en France, et eu égard aux efforts qui sont les vôtres, que nous ne prenons pas part à ce grand projet académique. Bon, sur le deuxième point, je ne peux qu'être d'accord avec vous, dans la mesure où je crois effectivement que les études arabes en France continuent à ne pas vouloir s'occuper du Coran. On regarde ailleurs d'une certaine manière, toute ma carrière, ça a été de ramer à contre-courant. Donc je ne peux qu'être d'accord. Alors, à quoi sert l'histoire du texte du Coran ? C'est pour commencer à comprendre ce qui s'est passé. Parce que, si vous voulez, l'histoire du texte, elle conditionne aussi un certain nombre de choses, en premier lieu, sa réception. Par exemple, prenons les lectures. Elles sont une nécessité dans la mesure où la transmission s'est faite avec un support déficient à son début, qui avait une espèce d'énorme plage de vide,
la vocalisation brève et les diacritiques, où se sont engouffrées des lectures qui probablement n'étaient pas celles du début. Hein, prenons le cas de Hamza Ibn Zayat, dont on dit que, enfin, pour lequel il y a énormément de, comment dirais-je, de récits qui contestent sa capacité en tant que lecteur des gens. Mais il n'empêche que Ibn Mujahid en a fait un de ses lecteurs de Koufa. Donc, d'où est-ce qu'il tirait ses lectures? On n'en sait rien. On a des tas d'interrogations sur l'origine des lectures. C'est un de mes étudiants qui est un grand spécialiste de ces questions, qui m'a montré du doigt qu'il y a un certain nombre de points difficiles. Par exemple, les lectures de Médine, d'après le récit qui est fait, on a essayé de trouver quel était l'accord entre le plus grand nombre de lecteurs sur tel et tel point, et donc, mais les accords ne se faisaient pas toujours entre les mêmes lecteurs. Donc c'est probablement une lecture qui n'est pas absolument cohérente du point de vue historique. Et les manuscrits peuvent justement réintroduire de la lumière en montrant par exemple des écoles de lecture. Alors ça, c'est un travail à long terme. Corpus Coranicum, effectivement, glane des informations à ce sujet, et on espère voir ressortir des tendances qui expliqueront ce qui s'est passé dans le 8e siècle pour l'émergence de ces lectures. Peut-être une dernière question. Parce qu'on a l'impression qu'il y a deux niveaux de variation. Il y a la flexibilité, c'est le mot que vous avez employé, ou le dynamisme, enfin je ne sais pas quel mot on pourrait utiliser, au moment même de la révélation, c'est-à-dire en présence du prophète, hein, tel que cela nous est relaté dans les nombreuses traditions que vous avez mentionnées. Et puis après, il y a des variations qui ont pu apparaître parce que les gens... soit avaient des trous de mémoire, soit se croyaient autorisés à continuer cette flexibilité. Alors, ça, évidemment, ces deux ordres de flexibilité ont, mais j'allais dire, du point de vue théologique, une importance différente. Alors, quel est votre regard là-dessus, justement, sur la flexibilité initiale? Alors, et puis les variations. Disons que il y a une flexibilité initiale, ça c'est quelque chose là que j'ai fait ressortir. Simplement, ce qu'il y a, c'est que ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un effort très cohérent de la part des autorités pour éliminer les versions différentes. Ibn Masoud, il est condamné par Malik, il est condamné par Ibn Mujahid. Ibn Shanabud, au début donc, du Xe siècle, est donc condamné à être puni parce qu'il veut utiliser la lecture d'Ibn Masoud pendant la prière. Ce qu'on oublie, c'est qu'il est également le transmetteur d'une des versions canoniques du Coran. Donc, et en fait, on a plusieurs exemples de ceci. Et c'est intéressant parce qu'il y a eu, une autre approche dans l'islam. Donc, il y a Ibn Mujahid qui, lui, veut faire le ménage. Il veut que les choses soient claires et nettes. Et il y avait des gens qui étaient, disons, pluralistes. Ça ne leur posait pas, je ne me souviens plus maintenant. On raconte que, vous avez peut-être lu cette histoire, qu'il y avait un lecteur qui récite, pendant le Ramadan, un soir Ibn Masoud, un autre soir la version haussmannienne, ça ne lui posait pas de problème. Au Xe siècle, après Ibn Mujahid, vous faites ça et il vous tombe le ciel sur la terre.
sur la tête. Disons qu'il y a, c'est ça qui me fascine, c'est qu'il y a eu cette coexistence. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a des théologiens ultérieurs. Tabari, lui, c'est circulé, il n'y a rien à voir. Avec une version, vous êtes content, ce n'est pas la peine d'en demander plus. Mais Bakillani, par exemple, lui tient compte de tous ces hadiths où il est question des variations et il essaye de trouver une explication pour ça. Donc, l'islam, mais ce n'est pas une révélation, l'islam est très divers précisément parce qu'il y a beaucoup de lecteurs, il y a des gens qui ont leur culture, qui ont leur approche, leur caractère, qui voient les choses, qui veulent faire le ménage comme Ibn Mujahid et Ibn Chanabouj, lui, ça ne pose pas de problème de vivre avec deux Coran. L'idée du texte est la même. Et c'est justement une des choses qui me paraissent très intéressantes dans ces hadiths, c'est qu'on n'arrête pas de vous dire, ce qui compte, c'est l'esprit, pas la lettre. Et chose qui est maintenant, n'est pas exactement à l'ordre du jour. Bon, je crois qu'on va s'arrêter là. On vous remercie encore vraiment du fond du cœur, professeur. Merci pour l'invitation. Merci pour vos questions. On espère vous revoir de temps en temps si votre agenda le permet pour la suite de ces conférences. Merci. Bon, merci à tous et à toutes et à très bientôt. Restez connectés sur le site de l'IFCM pour savoir quelles seront les prochaines conférences.